Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Skippycraft et on se retrouve aujourd'hui sur Clash Royale. Alors, je suis toute excitée parce que je peux enfin ouvrir mon coffre légendaire. C'est un bonheur incroyable. Je sais pas ce qui m'est arrivé pour avoir ça, vous vous souvenez dans la vidéo précédente. Alors, un mini pack opening au programme. On va pas perdre de temps parce que je suis à l'internat quand je tourne ça. On ne sait jamais ce qui pourra arriver d'un coup. Donc, 80 or dans le premier coffre gratuit, un sorcier et 10 canons. Imagine un peu, je pack la légendaire. Ce serait merveilleux. 77 or, 2 gemmes, une boule de feu et 10 esprits de glace. Alors je recommence avec le coffre de combat de clan de niveau 7 qui est totalement merdique. Mon clan, ils ont clairement fait de la merde. Donc 1008 pièces d'or, 2 gobelins sarbacanes, 19 chevaliers, 26 esprits de glace, 104 barbares, ça pue la merde, hein, 15 extracteurs d'élixir et on commet... 2 Arkicks, non, je suis deg, ce coffre de merde. Bon, ça fait quand même quelques pièces, hein. Donc c'est super. Donc maintenant, les amis, le coffre légendaire, je mets le hype jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors attention les amis, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Coffre légendaire, élève-toi! Sorcier que j'avais déjà. Non. Mais non. Non monsieur, ça va pas ça. Mais du coup je vais... Oh, je pourrais même pas le faire level up maintenant. Oh, il fera mal. Alors les amis, maintenant écoutez-moi assez attentivement. Parce que tout simplement, dans cette vidéo, donc vous l'avez vu, j'ai ouvert mon coffre légendaire. Mais ce qu'il y a, c'est que je trouvais que la vidéo était beaucoup trop courte et je n'avais vraiment pas envie de mettre une vidéo en ligne de 2 minutes et des. Alors ce que je pensais faire, comme vous pouvez le voir, mon nombre de trophées a changé, le logo du clan, je suis plus loin dans les niveaux, j'ai moins de pièces, j'ai l'électro sorcier niveau 2 et j'ai un nouveau deck. Et j'ai profité de vous offrir un petit contenu assez spécial parce que simplement un pote à moi qui m'a fait ce deck là, il est terrible et il a joué contre un mec et il faut que je vous montre ça. Regardez ce mec là, regardez celui, il a joué avec un deck full tank, il avait un deck à 5.4 d'élixir et il a réussi à me battre. Je n'ai absolument rien compris. Donc regardez le combat, je vais vous le montrer, franchement il faut vraiment que vous voyez ça. D'ailleurs, je m'excuse d'avoir fait une fin de toutes ces incohérences, de tout l'écart, les 2 jours d'écart qu'il y a eu plus ou moins entre la partie de la légendaire et cette partie ici. Donc, comme vous pouvez le voir là ici, voilà, il avait mis une princesse pour gratter et là, il a mis son PK. Donc, déjà, mon pote s'est dit, ça va me faire chier, mais voilà, il gère avec l'armée de squelettes. Ouais, j'avais oublié que l'autre avait les flèches. Et là, il avait mis son sorcier et je pensais qu'il allait se faire tuer. Mais juste à temps, voilà, juste à temps, il a terminé. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner au montage, mais si vous entendez du vent, bah, c'est parce qu'il fait un peu venteux en ce moment. Alors voilà, et là déjà, on s'est dit, mais what? Géant squelette et PK dans le même deck. Et c'était pas fini. Et là, je finissais de dire, bon, j'espère qu'il joue un Algolem hein, quand même. Et bon, là, voilà, il gère. Là, il met le petit gang de gobelins. Donc je me dis c'est assez rassurant, oui parce que j'ai vu que à la base c'était un deck à 5.3 d'élixir et il avait le gang de gobelins au lieu de la fournaise comme vous l'avez vu, donc c'est pour ça que c'est à 5.4 maintenant. Comme si bah, il a changé de deck, voilà, et là il a joué golem et lui, mais franchement lui et moi on n'en revenait pas. On avait même appelé nos potes qui étaient dans les alentours et on leur a dit regardez ce combat, regardez ça, c'est un truc de malade. Et je sais vraiment pas comment vous avez vu... juste avant que je clique sur regarder, ben il avait perdu le combat, mon pote. Et, mais c'est un truc de géant royal, regardons ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'il arrive à jouer ce deck là. On n'arrivait même pas à l'approcher. Et il nous grattait encore et encore. Franchement, c'était un combat de ouf. Donc voilà, là on s'est dit qu'on était bien parce qu'on savait bien qu'il était assez bas en élixir, qu'il pourrait rien mettre. Puis là, donc, du coup, il part sur rush à gauche. Et là, voilà, on avait pris la tour rien qu'avec les barbares d'élite. Il pouvait rien faire, on savait bien qu'il avait plus d'élixir. Voilà.
Donc là, il remet son PK pour bien faire chier. Il a mis son armée en deux. Voilà. Donc là, ça va faire assez. Enfin, ça va pas faire le taf du tout. Et là, regarde, là, les amis, franchement, là, c'était la merde. La merde. On ne savait quoi qu'on mettait. On était sûr et certain qu'on allait. Là, on pouvait plus rien faire. Voilà. Là, on pouvait clairement plus rien faire. Donc, mon pote s'est dit, bah, on va rush. Là, voilà, on est obligé. Fallait rush. Ça ne servait à rien de défendre ça. Ça ne servirait strictement à rien. Et donc voilà, il a joué l'autre, il a mis ses gobelins, voilà. On a tenté le tout pour le tout, pour qu'au final, bah, ça échoue. Et là, on voit la bombe qui fait plus de 1000 dégâts, le géant royal qui est mort trop tard, et on s'est fait dégommer la gueule par un deck à 5,3 d'élixir. Franchement, ah, c'était incroyable ce match. Et vous voyez, il m'a un petit peu monté parce qu'entre-temps, j'étais redescendu à Arène 8 encore une fois. On m'a donné une petite carte, voilà. Et aussi, j'en avais pas vu ça dans la partie où j'ouvre mon coffre légendaire. Nous ne sommes plus que 23 dans le clan parce que vu qu'on a eu un coffre de clan au niveau 7, y a tout le monde qui a décidé de partir. Voilà, et regardez, si on regarde dans le coffre de la saison précédente, il y avait beaucoup d'inactifs, hein, dont moi, mais moi je sais parce que j'étais en France. Et ben voilà, les amis, c'est la fin, vraiment la vraie fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, malgré le fait qu'il y ait un petit décalage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, c'était Skippycraft.